Chers amis et chers invités, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Le secret des anciens manuscrits ». Ce qu'il signifie pour vous aujourd'hui. Il y a quelques années, un certain Monsieur Marsh a appris que sa tante venait de mourir et lui avait laissé quelque chose dans son testament. Son testament disait « À mon cher Stephen Marsh, je lègue ma Bible de famille et tout ce qu'elle contient, ainsi que le reste de mes biens. Mais après le paiement de toutes les dettes, il ne resta que quelques centaines de dollars. Cet argent fut bientôt dépensé et tout ce qui resta de l'héritage fut la Bible de famille que Marsh enfouit dans un coffre au grenier. » Il dut prendre sa retraite avec une toute petite pension de retraite. Il vécut dans la pauvreté pendant 30 ans. Finalement, arrivé à l'âge de 90 ans, il décida de s'installer chez son fils. En préparant son déménagement, il tomba sur la Bible de sa tante et en feuilleta les pages. Il fut étonné d'y découvrir des billets de banque insérés parmi ces pages. Il compta plus de 500 dollars en billets de banque, une très grosse somme pour l'époque. Il avait passé la plus grande partie de sa vie dans la pauvreté alors qu'il aurait dû être riche. Il avait un trésor à portée de la main dans la parole de Dieu. Serait-il possible que nous ayons aussi un trésor étonnant à portée de la main? Il y a des millions de personnes qui croient que la Bible est le livre le plus incroyable qui ait jamais été écrit. Elles sont convaincues que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle contient de claires instructions sur la manière de recevoir la vie éternelle. Des personnes de toutes nationalités, langues et appartenances ethniques ont accepté la parole de Dieu comme un trésor précieux qui change la vie. D'autres personnes ont de sérieux doutes. Elles se posent un tas de questions. Que dire du livre le plus vendu dans le monde, c'est-à-dire la Bible? Peut-on lui faire confiance? Dit-elle la vérité? Est-elle exacte? Certaines personnes disent qu'on peut faire confiance à la Bible sans aucune hésitation. D'autres non. Alors qui a raison? La réponse est importante. Car si la Bible est vraie, lui faire confiance ou pas devient alors une question de vie ou de mort. Si la Bible est vraie, votre destinée éternelle tout entière dépend de ce que vous croyez, de ce que vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Ce que vous croyez sur la Bible fait toute la différence pour tout ce que vous croyez sur Dieu. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver une claire image de Dieu. C'est dans la Bible. En fait, c'est pour cette raison qu'elle nous a été donnée. Elle nous parle de Dieu, du Dieu invisible que nous ne pouvons pas connaître et que nous ne pouvons connaître qu'en lisant les messages qu'il nous a envoyés par ses prophètes et par son Fils pour se révéler à tous. Jetons donc un coup d'œil à ce grand livre, la Bible ou la parole de Dieu. Et voyons si nous pouvons trouver des preuves qu'elle est vraie ou pas, qu'on peut lui faire confiance ou pas. La Bible n'est pas seulement un livre, mais plutôt toute une bibliothèque de livres rassemblés en deux couvertures. Elle contient 66 livres écrits par différents auteurs à différentes époques, s'étendant sur une période de 1600 ans. L'Ancien Testament contient 39 livres et le Nouveau Testament 27. Alors, 47 auteurs différents l'ont mise par écrit. Cependant, nous trouvons entre eux un accord étonnant qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils ont une source commune. Ils sont en accord total entre eux, bien que la plupart d'entre eux ne se soient jamais vus ni connus. Ils avaient différentes professions, c'était des pêcheurs, des bergers, des rois, des chefs politiques, des fermiers, des prédicateurs, des hommes d'État et parmi eux un médecin. Ils appartenaient
à toutes les couches de la société. Cependant, il y a unité et harmonie parfaite dans les différents livres qu'ils ont écrits. C'est un véritable miracle. Cet accord ne peut s'expliquer que si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a donné ce livre pour pouvoir nous faire connaître sa volonté. L'apôtre Pierre écrit en 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. La raison qui a poussé Dieu à choisir cette méthode de communication, c'est-à-dire nous parler sous forme écrite, et que le canal de communication entre lui-même et l'homme avait été coupé par le péché. Lorsque Dieu et l'homme marchaient et conversaient ensemble dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas besoin de prophète pour écrire ce que Dieu souhaitait communiquer à l'homme. Lorsqu'Adam pécha, il se cacha loin de Dieu, car il avait peur et se sentait coupable à cause de ce qu'il avait fait. Lorsque Dieu lui demanda où il était, Adam répondit en Genèse chapitre 3, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et je me suis caché. Dieu ne pouvait plus lui parler face à face. Il choisit de nous révéler ce qu'il souhaitait nous communiquer par l'intermédiaire de ses prophètes et plus par son Fils. Amos chapitre 3, verset 7, dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu donc inspira Moïse à écrire le livre de Job et les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, qui constituent à eux tous ce qu'on appelle la loi. Ceci se fit aux alentours de l'an 1500 avant notre ère. À cette époque, Israël était devenu une nation puissante de plusieurs millions de personnes. Et Dieu avait besoin de lui pour faire connaître sa volonté sous forme écrite. C'est à cette époque que fut inventée l'écriture alphabétique. Auparavant, on écrivait en hiéroglyphe. Le peuple pourrait maintenant lire les 10 commandements écrits du propre doigt de Dieu et le livre de la loi mis par écrit par Moïse. Mais la question reste posée. La Bible est-elle exacte et digne de confiance, telle que Dieu l'a donnée? Jusqu'à l'année 1947, les manuscrits les plus récents de l'Ancien Testament en notre possession étaient des copies datant d'environ de l'année 900 de notre ère. Le rouleau d'Isaïe, découvert à cette époque, remonte à 123 avant notre ère. Il avait été copié plus de 1000 ans avant les plus anciens manuscrits trouvés auparavant. Il contient tout le livre du prophète Ésaïe. Sir Frédéric Cagnon, président de l'École britannique d'archéologie, l'un des experts les plus qualifiés dans cette doctrine, a déclaré ceci. Dans un chapitre contenant 166 mots, il y a de controverses que sur un mot de 3 lettres, après 1000 ans de transmission. Et ce mot ne change pas fondamentalement la signification du message. Voici comment l'exprime Sir Frédéric Cagnon. Le chrétien peut prendre la Bible entière dans sa main et dire, sans crainte ni hésitation, qu'il tient dans sa main la véritable parole de Dieu, transmise sans perte importante de génération en génération, à travers le siècle. Sir Cagnon fit cette déclaration après avoir passé une vie entière à étudier comment la Bible avait été transmise et quel effet cette transmission avait eu sur le message de ce livre. Les critiques bibliques, il y a un siècle, avaient trouvé de nombreuses raisons de douter de la Bible. Mais beaucoup de ces critiques
ont été réduites en silence par l'appel de l'archéologie. Jusqu'au 19e siècle, on connaissait peu de choses sur l'Antiquité, sauf par ce que la Bible disait. L'histoire ancienne semblait enfermée toujours derrière cette étrange écriture en images, les hiéroglyphes égyptiens. Personne, ni en Égypte, ni dans le monde entier, ne pouvait les déchiffrer. Puis, en 1798, Napoléon dirigea une expédition militaire en Égypte. En plus de ses 38 000 soldats, il amena avec lui une centaine d'artistes, d'experts en linguistique et des savants pour pouvoir l'aider à mieux comprendre l'histoire de ce fascinant pays. Partout, ils découvrirent des reliques du passé, des inscriptions illisibles, des monuments richement décorés, des murs de temples. Napoléon et ses érudits se demandèrent quel message secret se trouvait dissimulé derrière cette écriture en images. Un an plus tard, c'est-à-dire en 1799, eut lieu la plus grande découverte archéologique faite jusqu'à cette époque. L'un des soldats de Napoléon décrivit ce qui fut bientôt appelé la pierre de Rosette, une pierre noire de 122 cm de long sur 76 de large. Elle allait permettre de déchiffrer le mystère de l'écriture en images et de révéler des secrets demeurés cachés depuis des siècles. La pierre de Rosette est maintenant conservée à British Museum. Cette plaque de pierre, découverte près de la ville de Rosette, dans le delta du Nil, comportait le texte d'un ancien décret en trois langues différentes. En hiéroglyphe, écriture en images, en égyptien démotique et en grec. Bien entendu, les érudits purent facilement traduire le texte grec, mais pour les hiéroglyphes, c'était une autre affaire. Cependant, 20 ans plus tard, en 1822, un brillant jeune Français, Jean-François Champollion, étonna le monde en déchiffrant les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Il écrivit ainsi aux érudits du monde entier les vastes trésors de l'Antiquité. Mais plus important encore, l'histoire d'Égypte, oubliée pendant des siècles, confirmait maintenant le récit biblique. Les pierres criaient que ce que la Bible avait dit était vrai. Plus les archéologues continuaient à creuser, plus ils trouvèrent des preuves confirmant le récit biblique, grâce aux vestiges des civilisations passées. Les découvertes récentes à Tel Marduk ont bouleversé le monde de l'archéologie. Cette ville de Syrie s'appelait autrefois Ebla. Elle abritait une population riche et sophistiquée de presque 300 000 habitants. Jamais depuis la découverte des rouleaux de la mer Morte, tant d'érudits dans cette branche de la science n'avaient été aussi enthousiasmés par une découverte. Mais celle-ci fut encore plus enthousiasmante pour les étudiants de la Bible. Dans une école de scribes située à côté du palais royal, on découvrit 14 000 tablettes et fragments d'argile remontant au moins jusqu'à 2300 avant notre ère. Les archives gouvernementales les plus anciennes au monde, qu'on ait découvertes, contenaient les archives officielles du royaume d'Ebla pendant plus d'un siècle. Certains historiens avaient douté que les Hébreux eussent pu inventer l'art de l'écriture à l'époque de Moïse. Jusqu'au 19e siècle, il n'existait aucune preuve historique à ce sujet. Cependant, les tablettes d'Ebla et autres découvertes sont très antérieures à l'époque de Moïse. En fait, les archéologues ont découvert des bibliothèques entières remontant à plusieurs siècles avant Moïse. Alors les tablettes d'Ebla mentionnent un récit de la création et du déluge. Elles mentionnent aussi des noms des personnes et des lieux qui coïncident avec ceux de la Bible, par exemple Ésaü, Abraham, Israël, le Sinaï et même Jérusalem. Mais la vraie surprise fut la mention de deux villes pécheresses, Sodome et Gomorre. Avant la découverte de ces tablettes, aucune référence historique à ces deux villes n'avait été trouvée en dehors de la Bible.
C'est pourquoi on les considérait comme des villes légendaires. Beaucoup de livres devront être réécrits, car ces découvertes confirment de nombreux noms géographiques de cette époque. Certains auteurs devraient admettre que la Genèse est plus qu'un ancien folklore des bergers. Les découvertes des Blancs et autres lieux ont confirmé l'authenticité de la Bible. David a dit, en psaume 119, verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité. » Dieu nous dit dans Ésaïe 45, verset 19, « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » On dit que les morts ne parlent pas, et pourtant ils parlent. La réalité peut être fascinante, plus fascinante que la fiction. Des civilisations disparues depuis longtemps nous parlent depuis leurs tombeaux poussiéreux, confirmant l'exactitude de la parole de Dieu et la confiance que nous plaçons en elle. Jusqu'au XIXe siècle, certains érudits croyaient que Babylone avait été construite par la reine Samiramis, alors que la Bible, dans le livre du prophète Daniel, cite ces paroles du roi Nebuchadnezzar. « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Daniel chapitre 4, verset 30. Alors, qui a raison? En 1899, Robert Caldwell commença l'excavation de ruines de Babylone. Il exhuma des dizaines de milliers de briques cuites au four qui portaient toutes les sceaux du roi Nebuchadnezzar, toutes provenant des murs et des temples de la ville. Des archéologues travaillant à Babylone découvrirent aussi une tablette cunéiforme racontant les exploits de Nebuchadnezzar. Sur cette tablette, le roi déclarait « J'ai consolidé les fortifications des Igala et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. » La Bible nous rapporte que l'orgueilleux Nebuchadnezzar déclara un jour « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et par l'honneur de ma gloire. » Daniel chapitre 4, verset 27. L'inscription de la maison de l'Inde du Sud, maintenant à Londres, consacre 6 colonnes en écriture babylonienne à la description des gigantesques projets de construction de Nebuchadnezzar. L'appel de l'archéologie venait de nouveau au secours de la parole de Dieu. Un autre mystère de l'histoire séculière était l'absence de Belshazzar comme gouverneur de Babylone. La Bible désignait ce roi comme le gouverneur de Babylone qui fut témoin de l'écriture sur le mur de la salle du festin. N'était-il que l'invention de l'imagination fertile de Daniel? Pas du tout. Nabonide, l'un des successeurs du grand Nebuchadnezzar, avait confié la royauté à son fils Belshazzar pendant son absence de 10 ans à Théma, en Arabie. Alors des tablettes découvertes par les archéologues déclarent que le royaume fut en effet confié à Belshazzar, le prince héritier de la couronne babylonienne. Voici ce qui est écrit. Quant à Belshazzar, mon fils exalté, le rejetant de mon propre corps, mets dans ton cœur l'adoration de la grande divinité. Qu'il ne cède pas au péché, qu'il se satisfasse de l'abondance de la vie, que le respect pour la grande divinité puisse demeurer dans le cœur de Belshazzar, mon premier-né, mon fils favori. Dieu parle à l'homme moderne, à la page 154. N'est-il pas étonnant de lire dans le dernier chapitre de Daniel? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel chapitre 12, verset 4. La connaissance devait augmenter non seulement dans le monde scientifique, mais aussi en ce qui concerne l'exactitude de la parole de Dieu. Les briques, les cylindres, tablettes et les manuscrits exhumés par les archéologues prouvent,
prouve que ce que la Bible dit est vrai. Cependant, une autre preuve convaincante que la Bible est la parole inspirée de Dieu et sa capacité de prédire l'avenir avec exactitude. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe chapitre 44, versets 9 et 10. Cependant, en soulevant le voile du temps et en nous donnant un aperçu de l'avenir, Dieu démontre au monde que la Bible n'est pas un simple livre. C'est mon livre, c'est donc son livre à lui. Avant que Babylone ait atteint le sommet de sa puissance et de sa gloire, le livre de Dieu avait annoncé sa chute. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Ésaïe chapitre 13, verset 19. La Bible a même annoncé la puissance qui renverserait le puissant royaume. En Jérémie chapitre 51, verset 11, la Bible nous dit ceci. L'Éternel a excité l'esprit du roi de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Vous avez entendu cela? Le nom de l'homme qui allait commander les armées lancées contre Babylone a été annoncé 150 ans avant sa naissance, ainsi que la manière dont il se prendrait. En Ésaïe chapitre 45, verset 1, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, pour ouvrir les deux battants. Le nom de Cyrus était connu alors qu'il n'était même pas conçu dans le ventre. Sa maman même n'avait jamais existé. Les prophéties bibliques ne sont-elles pas accomplies? Elles se sont accomplies, oui, à la lettre. Dans la salle perse de British Museum est exposé le cylindre de Cyrus, découvert dans les ruines de Babylone. Sur ce cylindre d'argile, Cyrus mentionne sa conquête. Les détails sont exacts. La Bible n'a pas seulement annoncé la destruction de Babylone, elle a déclaré aussi ceci en Jérémie chapitre 51, verset 37. Babylone sera un monceau de ruines. Ésaïe écrivit, elle ne sera plus jamais habitée. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Ésaïe chapitre 13, versets 20 et 21. Seul Dieu pouvait prédire l'avenir et annoncer avec autant d'exactitude le sort de la puissance de Babylone. L'explorateur Onsten Layard écrivit ainsi sur le site de l'ancienne Babylone. Des tas informes de débris couvrent la surface de la terre. C'est un désert nu et hideux. Des hiboux jaillissaient de maigres buissons et le répugnant chacal se dissimule parmi les sillons. On trouve cela dans le livre « Découverte parmi les ruines de Ninive et de Babylone », page 413. Il ne reste rien de l'ancienne gloire de Babylone, sinon un nom sur un panneau de signalisation au bord de la route. Les décombres accumulés sur les ruines de l'ancienne Babylone sont une preuve certaine de l'inspiration et de l'intégrité de la Bible. Nous pouvons être d'accord avec le prophète qui déclare, en Ésaïe chapitre 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Mes amis, si Dieu a pu prédire avec précision des siècles d'avance l'avenir des anciens royaumes, pouvons-nous douter un instant de sa capacité et de sa sagesse de prédire avec exactitude ce que l'avenir nous réserve? Certainement pas. En fait, la prophétie biblique nous offre le privilège de soulever le voile, de plonger nos regards dans l'avenir à travers les yeux de Dieu et d'apercevoir ses solutions aux problèmes qui menacent la survie de l'homme sur notre terre. La Bible est plus qu'un livre d'histoire digne de confiance, plus que des faits scientifiques exacts, plus que des prophéties accomplies. Sinon, peu importerait ce que les hommes en font. Le thème central de ce livre, son cœur même, est le récit de ce qui se passa sur une colline dénudée hors de Jérusalem, il y a plus de 19 siècles.
ce que nous croyons à ce sujet fait une différence. Ou bien le Fils de Dieu mourut sur cette croix, ou bien il n'y mourut pas. Ou bien il était ce que la Bible dit de lui, ou bien il ne l'était pas. Le calvaire fut-il une fantaisie ou un fait irréel? Cela fait une différence et nous devons le savoir. Transformer les vies est la plus grande preuve que la Bible est ce qu'elle prétend être. Cette puissance réside en une seule personne, Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même le déclare en Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus parlait de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit à cette époque-là. En feuilletant les pages de l'Ancien Testament, vous découvrirez qu'elles annoncent un Messie qui doit venir et parle de sa mission d'amour et de salut. Jésus a dit à ses disciples, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc chapitre 24, verset 24. L'Ancien Testament a annoncé Christ et le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de sa vie. Comme vous le voyez, la Bible entière est une révélation de Jésus-Christ, venu pour démontrer à une planète rebelle que c'est son Père qui est vraiment l'auteur de ce monde. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole vivante de Dieu. Elle détient une puissance étonnante partout où elle va, une puissance qui transforme la vie, le caractère humain, donne de la force aux faibles, du courage aux déprimés et de l'espoir aux mourants. À travers toute l'histoire, la puissance de la Bible pour transformer les hommes a été prouvée à maintes reprises. Des personnes coléreuses sont devenues paisibles grâce à la puissance de la parole de Dieu, qui est la Bible. Des personnes impures et immorales sont devenues pures et droites. Des ivrognes ont été délivrés de leurs vices, des voleurs de leur propension à voler, des tricheurs de leur propension à tricher. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver dans les prisons des criminels endurcis qui sont devenus des chrétiens joyeux par la puissance de la Bible. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des mariages qui glissaient tout droit vers le divorce et qui ont été sauvés et remplis d'un amour nouveau grâce à la puissance de la Bible. Personne ne peut lire la Bible fidèlement chaque jour sans que le livre de Dieu ne le transforme. Mes amis, si vous passez chaque jour un moment à lire la Bible, elle vous transformera vous aussi. Jésus passait son temps à transformer les gens. C'est là le cœur de la religion chrétienne. Et c'est aussi le cœur de la Bible qui est le secret de sa puissance. Jésus savait quel pouvoir peut changer l'homme. En Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit, et ce sont les paroles du Seigneur lui-même, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité qui rend les hommes libres, qui les transforme. C'est la vérité qui transforme un ivrogne en un homme sobre et en père affectueux. C'est la vérité qui délivre le drogué. Avec toutes les tromperies pratiquées aujourd'hui dans le monde, nous posons la question, qu'est-ce que la vérité? En Jean chapitre 17, verset 17, voici ce que Jésus nous donne comme réponse. Ta parole est la vérité. La Bible, la parole de Dieu, est donc la vérité. La puissance de cette parole peut transformer le cœur des hommes et des femmes. Mais la parole de Dieu ne peut transformer que ceux qui sont disposés à se laisser transformer. Ceux qui sont disposés à accepter l'homme présenté dans ce livre, cet homme Jésus-Christ. Des millions de vies ont été transformées parce que des gens ont étudié la Bible. Il n'existe pas de plus grande puissance au monde pour toucher le cœur et transformer les vies. Mes amis, vous voyez combien ce livre crée une différence? C'est plus qu'un livre à emporter avec soi à l'église ou à exposer dans nos maisons. C'est plus que des informations ou des conseils utiles. C'est Dieu qui parle à notre cœur. C'est la lettre d'amour envoyée à ses enfants sur la planète Terre. C'est le secret de la survie, du bonheur éternel et de la paix du cœur. Permettez-moi de vous raconter une histoire de la puissance de la parole de Dieu pour transformer les vies. Il y a bien longtemps, il y avait un navire appelé le Bounty.
En 1790, le capitaine Bligh et son équipage quittèrent l'Angleterre pour aller transplanter aux îles une cargaison de fruits à pain qui devrait servir de nourriture à bon marché pour les esclaves. À cause de l'autoritarisme du capitaine Bligh et des mauvais traitements infligés à son équipage, une mutinerie éclata sur le bateau. Fletcher Christian, le chef des mutins, déposa le capitaine Bligh et 18 membres de son équipage dans un canot et les laissa partir à la dérive. Ils réussirent à regagner l'Angleterre grâce aux qualités navigateurs du capitaine Bligh. Pour l'équipage de Bounty, les choses se tournèrent pas trop bien. Mais ils abordèrent enfin sur une île déserte de Pitcairn. Ils brûlèrent le Bounty pour effacer les traces. Pendant leur escale à Tahiti, le capitaine Bligh avait pris à bord un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Les mutins apprirent à fabriquer de l'alcool et les ennuis commencèrent. Il y eut des meurtres en grand nombre et bientôt il ne resta plus qu'un seul homme, John Adams, et un certain nombre de femmes et d'enfants. John Adams chercha la Bible du Bounty qui était dans un coffre. Il se mit à la lire et une transformation complète s'opéra en lui. Il se rendit compte de sa redoutable responsabilité d'assurer un avenir à ses enfants. Il se mit à leur apprendre à lire, à écrire et comment vivre. La transformation stupéfiante de toute la population de l'île attira l'attention des navires qui passaient par là, puis celle du gouvernement britannique et enfin celle du monde entier. Mes amis, la Bible peut aussi transformer votre vie. Lorsque nous lisons la Bible, ce même Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques il y a des siècles à mettre par écrit la parole de Dieu transforme notre vie pendant que nous l'étudions. Venez à la parole de Dieu avec un esprit ouvert. Dites avec une foi simple, « Seigneur, montre-moi ta vérité, je la suivrai. Seigneur, révèle-moi les changements que je dois opérer dans ma vie. Seigneur, je désire ardemment te rencontrer dans les pages de ta parole comme un Père plein d'amour et de pardon, capable de transformer ma vie. » Ce n'est pas seulement le livre, c'est l'auteur de ce livre qui fait la différence. En découvrant cet auteur, notre foi grandira, car le connaître, c'est l'aimer et lui faire confiance. Chers amis, vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Venez à la Bible, la source de notre salut. Et si vous vous donnez à la lire, à l'étudier, quelque chose de bien va se faire dans votre vie. Depuis que je suis dans le ministère, il y a de cela 36 ans, j'ai vu beaucoup de personnes être transformées dans leur vie grâce à la parole de Dieu. J'ai vu des criminels qui sont devenus des hommes droits. J'ai vu des prostituées qui sont devenues des femmes de ménage et des femmes de famille, des mères de famille, des personnes respectables. J'ai vu beaucoup de changements que Dieu a opérés dans la vie de plusieurs personnes. Et nous savons que cela est possible à travers la parole de Dieu. Je vous invite ce soir à venir à la source de la vie, de lire la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Et comme Jésus l'avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous venez vers la Bible, votre salut est proche. Parce que bientôt le Seigneur va venir. Il va rechercher tous ceux qui sont les lecteurs de sa parole. Il va rechercher tous ceux qui obéissent aux commandements. Tous ceux qui craignent Dieu parce qu'ils auront trouvé ce Dieu à travers sa parole. La parole de Dieu est disponible. La Bible est disponible. Cherchez-la. Asseyez-vous. Donnez-vous assez de temps. Lisez-la. Elle va transformer votre vie. Votre mariage est en train d'être secoué par un violent tourbillon. La Bible peut résoudre le problème. Votre vie est envahie par la pauvreté. La Bible peut trouver des solutions à ce problème. Venez à Christ aujourd'hui et votre vie ne sera plus la même. Vous serez complètement transformé. Alors que vous vous avancez, je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis et je te glorifie.
pour ceux qui ont accepté ta parole, pour ceux-là qui sont en train de s'avancer maintenant. Ils ont compris que dans ta parole se trouve la vie éternelle. Je te demande, Seigneur, de les toucher de façon particulière pour qu'ils prennent du temps de lire la Bible et qu'ils puissent toujours, Seigneur, se référer à cette parole qui peut leur donner la vie éternelle, qui peut transformer leur vie à salut et qu'à partir d'aujourd'hui, ils soient de nouvelles personnes. Seigneur, que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie. C'est la grâce que je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.